Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des meilleurs sites internet où vous allez pouvoir customiser vos consoles ou vos accessoires de consoles, donc par exemple vos manettes. Alors ça fonctionne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo, Game Boy et plein d'autres choses. Donc je vais directement aller sur l'essentiel qui m'intéresse de fou, c'est tout simplement customiser les manettes et mettre des LED ou alors carrément customiser votre PlayStation 5 et mettre des LED. Donc ça fonctionne aussi hein, sur PlayStation 4. Regardez, hop, PlayStation 4, je suppose qu'il y a des LED pour PlayStation 4. Attendez, je regarde. En tous les cas, il y a des LED pour les manettes PlayStation 4. Après, peut-être pas pour la console, je vais regarder. Ah si, regardez, même pour la console, vous pouvez customiser votre console et mettre des LED. Sur les côtés comme ça et en fait c'est trop une tuerie. Donc à l'écran je vous montre une vidéo où justement il présente la PlayStation 5 avec des LED. Franchement ça donne un résultat de fou et vous aurez une petite télécommande avec que vous allez pouvoir changer les couleurs à votre guise et même choisir des jeux de couleurs. Apparemment il y a 7 couleurs au total et 29 effets différents pour toutes les LED et c'est pareil pour les LED PlayStation 4. Alors il faut savoir que là ça coûte 45 $. Mais si vous voulez, en description, en commentaire épinglé, il y aura un code promo de moins 10% sur tout le site. Donc si vous tapez mon code promo ou que vous allez sur le site avec le lien que je mets en description, vous aurez moins 10% sur tous vos achats. Et tous les frais de port sont complètement gratuits. Donc déjà 45 $, ça équivaut pas à 45 €, ça équivaut genre à 30-35 €. Et moins les 10%, bah vous avez des LED pour 30 €. En plus, il faut savoir que les LED s'installent super facilement sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Mais de toute façon, je vous ferai un tuto pour comment les installer sur PlayStation 5. PlayStation 4, j'ai pas besoin de faire un tuto parce qu'il suffit juste de les coller. De toute façon, je pense qu'il y a un petit mode d'emploi. Regardez, un petit mode d'emploi pour vous expliquer comment faire. Mais voilà, c'est très très simple. Vous les collez et ensuite, bah, vous branchez l'USB des LED à votre console PS4. Moi, je vais faire un tuto sur la console PS5 parce que je pense que je vais m'en acheter un. Donc, par contre, pour la PlayStation 5, ah ben, ils sont à 38 $. Donc, je pense qu'ils sont 5 $ supplémentaires comparé à la PlayStation 4. Attends, si je me trompe pas. Ah non, carrément, la PlayStation 4 est plus chère et la PlayStation 5, c'est moins cher que les LED de la PlayStation 4. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous avez une petite télécommande, vous collez les LED sur le côté. C'est juste incroyable. Alors, maintenant, je vais vous présenter aussi les manettes que vous customisez avec des LED. Donc regardez, vous allez pouvoir faire en sorte que votre manette lume pendant la nuit, pendant que vous jouez. C'est un truc de fou. Donc vous allez pouvoir choisir 7 couleurs avec 9 modes d'effets différents. Par contre, ce produit, si vous voulez l'acheter, bah, il faudra l'installer sur la console et c'est assez compliqué. Donc moi, je ferai un tuto pour vous expliquer comment installer les LED sur manette PS5, mais je ne saurais pas vous le faire sur manette PS4. Parce que ben voilà, j'utilise plus la PS4. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Bon, peut-être que j'achèterai une manette PS4 pour vous montrer, je sais pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez vraiment que je le fasse. De toute façon, je pense qu'il y a un mode d'emploi dans le truc hein, pour vous expliquer où il y a des tutos sur Internet. Alors par contre, il faudra démonter, donc dévisser la manette et installer ce composant de LED sur votre manette. Il faudra bien sûr changer les touches que vous voyez ici. Vous avez avec tout ceci un tournevis et une spatule pour démonter la palette. La manette, donc ça, voilà, c'est pas super compliqué non plus. Et ça coûte 30 $. Donc 30 $, ça équivaut à 25 €. Moins 10%, vous en avez pour 20 €. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur. Pareil pour les boutons PS4. Hein, les boutons PS4, regardez ici, c'est bah, là c'est un peu plus cher. Mais là, il y en a pour 30 €. 30 $, ici 38 $. Donc en fait, ça dépend du modèle que vous allez utiliser. Bien entendu, vous allez aussi pouvoir les choisir les couleurs sur vos manettes PS5. Regardez, hop, vous avez plusieurs modèles. Voilà, vous avez des modèles. Je crois que voilà, ça fait l'effet que vous voyez. Hein. Il y a de la peinture sur les touches, donc c'est seulement les touches qui ressortent. Voilà, vous avez plusieurs modèles, pareil pour PS4. Alors, ce qui est bien aussi avec ce site, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, c'est que vous pouvez acheter des palettes pour pas très cher. Hein. Pour 30 €, vous avez des palettes pour manette PS5 ou pour manette PS4. Bon, après, les manettes PS4, des palettes, il y a plusieurs accessoires que vous pouvez acheter, des accessoires que vous branchez directement sur votre manette. C'est beaucoup plus simple, par exemple, les strike packs et tout ça. C'est beaucoup plus simple. Mais par contre, sur PS5, il n'y a pas de strike pack pour le moment. Donc, moi, j'ai fait une vidéo présentation des palettes que vous voyez ici. Ça m'a coûté 30 €.
Et en fait, bah maintenant, j'ai des palettes sur ma manette PS5. Donc franchement, c'est vraiment très très stylé. Elles sont vraiment bien. Par contre, il faut les remplacer des composants et tout dans la manette. Donc bien entendu, j'ai fait un tuto complet là-dessus. Je le mettrai aussi en description et en commentaire épinglé qui vous explique comment installer vos palettes sur votre manette PS5. Après, c'est pas très compliqué, hein. Donc vous avez bien entendu tout ce que j'ai présenté pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous les avez pour Xbox, pour Nintendo, pour Game Boy. Vous avez extrêmement beaucoup de choses sur ce site. Alors il y a aussi des skins que vous allez pouvoir coller sur votre console. Voilà, cannabis, multicolore, gold, bleu. Enfin, franchement, vous avez full choix. Pareil, hein, vous avez 10% de réduction avec mon code créateur. Mon code promo plutôt. Et ici, regardez, ça fonctionne sur tous les accessoires. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un autre truc que j'avais vu. Donc PS5 Shell. Donc là, ben, bien sûr, vous avez des faces. Vous pouvez acheter des faces des manettes. Donc, des faces transparentes. Des faces déjà. C'est pas des trucs collés, quoi. Hein. C'est vraiment la face que vous achetez. Donc, la pièce. Regardez, hop. Vous recevez la face. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à l'installer. Donc, vous avez vraiment extrêmement beaucoup de choses sur ce site. Donc, je regarde ce que je peux vous présenter d'autre. Ici, c'est un nouveau pad, assez stylé, franchement. En rouge, comme ça peut bien donner avec une manette noire, voire même blanche. Hein, ça donne plutôt bien aussi. Regardez, là, vous avez des trucs en bois. La purple blue. Là aussi, c'est vraiment pas mal la texture que ça donne. Là, c'est Galaxy. Ah, vous avez full truc. Hein. Bon, pour les restes modèles, je vous laisse regarder par vous-même sur le site. Alors, vous avez aussi des protections pour manette. Après, moi, ça, j'utilise pas vraiment. Mais ça peut être bien pour avoir une meilleure accroche sur votre manette. Protection, c'est des protections. PS4 et PS5, bien entendu, comme d'habitude. Vous pouvez aussi installer uniquement des LED en dessous du pad. Comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir les LED. Même les LED du dessus. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, ça, c'est un support. Un support où vous placez votre manette. Voilà, c'est pour qu'elle ne traîne pas et qu'elle soit bien présentée sur votre bureau. Voilà, c'est surtout esthétique, hein. Donc ça, c'est pour les trucs PS5. Je vois pas trop à quoi ça peut servir. Je crois que c'est pour... Attendez, je vais traduire pour voir ce qu'ils disent. Pot de décalcomanie en vinyle personnalisé. Ouais, je vois pas trop à quoi ça sert. Ouais, c'est pour personnaliser le single play que vous voyez. Donc ouais, là, vous pouvez mettre genre le single play de PS1. Là, c'est coloris différents. Vous avez même des housses pour protéger votre PlayStation 5 contre la poussière. Ça, je sais pas trop c'est quoi là. Ah, c'est pour protéger contre l'eau aussi. La poussière contre l'eau. Donc ça peut être pas mal quand vous êtes en déplacement. Voilà, vous avez aussi plein d'accessoires comme... c'est quoi ça? Un fast hop. Ok, ça c'est un truc que vous collez sur votre écran carrément. Ouais, c'est un truc que vous collez sur votre écran pour avoir la cible au milieu, pour faire des noscopes. Ouais, pour PS4, vous avez plein de trucs aussi. Hein. Vous avez des socles aussi. Un truc aussi contre l'eau, une protection. Enfin, vous avez full accessoires. Donc ça, je vous laisserai regarder. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui est intéressant? Bah, je pense que je vous ai tout montré. Ah oui, dernier petit truc, vous pouvez réparer. Donc regardez ici en repair part. Vous avez des pièces de rechange. Donc, vous avez des pièces de rechange pour PS4, Xbox, Nintendo. Vous avez des pièces de rechange pour tout. Vous avez des guides de réparation, des outils de réparation. Donc, là, ils vous fournissent des outils pour réparer vos consoles, vous nettoyez vos consoles, vos manettes, etc. Donc, voilà. En tous les cas, je vous ai fait une présentation du site global. Je vous ai montré un peu tout ce que vous pouvez acheter sur ce site. C'est vraiment un des meilleurs sites que je connais pour customiser vos manettes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, vous pouvez acheter n'importe quelle touche, n'importe quelle coque, personnaliser à 100% tout ce que vous voulez. Franchement, c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et il est juste incroyable. Et je pense que je vais acheter pas mal de choses pour personnaliser tout mon setup. Ça peut être vraiment très très stylé. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon code créateur qui sera en description, enfin mon code promo plutôt, qui sera en description et en commentaire épinglé. Et il y a un lien de parrainage aussi. Si vous allez directement via mon lien, vous aurez directement 10% sur toute la boutique de Gaming Cobra. Et vous serez, pour être sûr que vous avez les 10%, vous regardez en haut, il est marqué « Vous magasinez maintenant avec Sois Cool Mec ». Ça veut dire que vous venez de ma part et vous avez 10% sur tout ce que vous achetez.
Donc voilà, c'est une petite offre que la société m'a offert pour ma communauté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb